Alors, on est dans la Pasteur Opéra quelques minutes avant l'ouverture de la boutique et on a la chance de découvrir donc la scénographie mise en place. La première étape, ce sera bien entendu de découvrir toutes les montres dans une vitrine. Ensuite, les intéressés pourront toucher l'Apple Watch, la manipuler, la voir sous les doigts. Et puis la dernière étape, ce sera d'essayer la montre au poignet et pour ça, il y aura quelques exemplaires disponibles aujourd'hui. Enfin mettre nos doigts sur l'Apple Watch, ça fait du bien de pouvoir voir l'interface, tester sa réactivité. Et puis bon, elle est présentée sur des tables comme ça, pour l'instant c'est pas la cohue, donc si vous allez en Apple Store cette semaine, ça devrait être assez facile de tester. Alors aujourd'hui, on pouvait essayer l'Apple Watch à l'Apple Store, mais on pouvait aussi la précommander en ligne. Et parmi les personnes qu'on a rencontrées, il y avait un petit peu d'inquiétude parce que les délais de livraison ont l'air assez longs. Les premiers l'auront le 24 avril, mais ça peut durer jusqu'au mois de juin pour les bracelets un peu particuliers.